Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Prop Night. Il s'agit d'un jeu qui mixe deux jeux bien connus, à savoir Prop Hunt et Dead by Daylight. Voilà, concrètement, c'est vraiment ces deux jeux mixés. Si vous connaissez les deux jeux, j'ai rien à vous expliquer dessus. Concrètement, on a des genres de générateurs à réparer en tant que survivant. Et il y a un monstre qui va être là pour essayer de tuer les survivants. Concrètement, c'est ça le but du jeu. Tout le monde est incarné bien évidemment par des joueurs. Donc il y a 5 joueurs en tout, hein, 4 humains contre un monstre. Il y a 5 monstres différents disponibles, hein, d'ailleurs avec chacun leur propre capacité. Dont un qui est d'ailleurs assez fort puisqu'en fait il peut également se transformer en props comme les humains. Et voilà, la particularité, le côté prop hunt, c'est qu'en fait les humains peuvent se transformer en props, c'est-à-dire en objets qui sont autour d'eux, et donc on peut le jouer en mode ok, on va se cacher un endroit spécifique ou quoi, on va pouvoir donner les infos aux autres, on va juste rester immobile pour parce que le monstre ne nous aura pas vu, donc ça permet de s'échapper comme ça aussi entre deux générateurs. Donc voilà, c'est assez sympa, le mix est plutôt bien réalisé, ça reste un petit jeu fun à faire de temps en temps, je pense, entre amis, ça peut être très cool. Après, d'un autre côté, on peut aussi y jouer de toute manière en mode tryhard, hein, ça se peut aussi, notamment sur DBD, de toute manière, il y a beaucoup de gens qui tryhardent énormément dessus, il y a du très haut niveau aussi dessus, hein, de ce que je sais, donc voilà, ça se peut aussi, mais au moins vous y jouez comme vous voulez. Moi, c'est vrai que je le vois comme un petit jeu fun, c'est sympa en tout cas pour de temps en temps. Et franchement, assez cool. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Il faut savoir qu'il y a actuellement 4 maps disponibles. Et du coup, on va tester ça. On a testé ça sur une petite soirée, du coup, avec 4 joueurs dans un premier temps, puis 5 ensuite. On était full. Donc, vous allez voir. Vous allez voir un peu comment ça s'est passé. Je vous laisse avec les images, les amis. Attendez, monsieur le tueur, on peut discuter encore une fois. C'est un quiproquo. Je pense qu'on est parti sur une mauvaise base. S'il vous plaît, attendez, parce que... En fait, limite, je pense, pour réussir, faudrait presque pouvoir communiquer vraiment, tu vois, en mode... Ouais, juste les survivants, tu sais, en mode, il y en a un qui check, l'autre qui... Tu vois, parce que tu peux rester en props à côté et donner les infos, tu vois. Ah, bah on peut faire ça sur les prochaines, si vous voulez. On peut faire ça, si vous voulez. Par contre, c'est horrible, en fait, si tu restes au sol pendant 8 ans. Non. Bah, il se transforme en objet, il vient à côté de nous et il nous chope. Ah ouais? Bah oui. Je savais pas qu'il se transforme en objet par contre. Dernière nouvelle, c'était une grosse caisse. Dernière nouvelle. Genre cette grosse caisse là? Ouais. Arrêtez, monsieur. Non mais je pense vraiment qu'on est parti d'un mauvais pied. Si on peut discuter, hein. Dites-moi votre prix. J'ai une pièce sur moi, si je vous conviens. Non mais c'est infâme. C'est infâme. Easy. Somebody help me. Mais non, il dit que c'est en moi. Oui, non mais son perso, c'est vraiment le perso, genre c'est compliqué. Cancer quoi. Oui, c'est le perso, il est fort. Après, je crois que ça, en gros, le côté faiblesse par rapport à certains autres, c'est je crois qu'il a pas forcément de truc pour aider à détecter, tu vois. Mais par contre, sa force, c'est vraiment que enfin, tu vois pas venir, parce que ça peut être un objet aussi, ou ça peut être un perso comme nous, en fait. Ouais. Mais non. Mais par contre, ça met un temps fou pour t'as vu, ça a mis du réparer. Temps. Ah mais c'est ouais. Très très long, ouais. Je sais pas comment on tu fais. Pourquoi je suis déjà mort? Parce que t'as pas été deux fois. Non. Oui. Bah si non. Non non. Ah. Monsieur le tueur, laissez-nous. J'ai pas eu le temps de lire à quoi ça servait. J'ai acheté un objet mais je sais pas à quoi il sert.
J'ai pas eu le temps de lire, j'étais focus sur autre chose. Et je crois qu'ils me l'ont marqué. Je sais pas s'il y a, y a pas moyen de lire après coup. De lire l'inventaire ou quoi. Attendez, parce que. Il y a peut-être moyen de discuter encore! J'avais très bien vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était mis là! Ah. Attendez! Attendez, c'est pas ce que vous croyez! Je n'ai rien volé dans ce domaine, hein! Je partais à la cueillette des champignons! Qui, ma foi, sont fort agréables! Arrêtez! Ça a pas marché du tout ce que j'ai fait en fait! Ouais, je crois que tu m'as photographié dans le dos. Et ça fait pas des pièces? Ouais, je pense qu'il faut, il faut le faire en face, je pense, ouais. Je pense que j'aurais dû le flash en face, mais... Merde, je suis mort. J'aurais dû me transformer en propre et lui sauter sur la tête pour te libérer. Ah, par contre, il est très fort, son perso. Mais ce qu'il faisait au premier round, apparemment, ça marchait bien. Mais là, je me suis dit, j'ai l'appareil photo, mais j'avoue que dans le dos, c'était peut-être pas la meilleure idée. Après, je voulais voir comment ça marchait, mais j'ai pas eu le temps de lire, donc je suis pas sûr que c'était ça. Ouais. Il est où? Et où est-ce qu'il est, Lilo? Ah là là, je l'ai pas vu juste derrière. J'ai entendu le bruit. Ouais, je me doute. Je pensais que t'avais bougé, je te voyais plus. La musique horrible par contre. Ah, c'est compliqué à 3. Ah, c'est trop stylé par contre le jeu. Pas discret là. C'est horrible. Ah, c'était clic droit là. Non, mais arrêtez. Il y a un camion devant moi là, il roule à... en marche arrière là. Je passe le permis là. Hey, il passe en marche arrière le camion là. Hey, oh, je passe le permis, arrêtez tout de suite. En fait, c'est si tu maintiens Shift, tu restes debout, tu restes droit. Bah en mais fait, par contre, Shift, je passe le permis là. Shift, ça te redresse en gros.
Ce qui veut dire que, bah, justement, quand t'as une bouteille ou quoi, par exemple, bah, ça te permet de te remettre justement tout droit et de faire croire que t'es un vrai propre, tu vois. C'est comme ça que je faisais pour tenir tout à l'heure, en fait. Je bougeais plus, tu sais, je faisais juste shift et je bougeais plus, tu vois. J'ai pas trop compris à quoi il servait cet œil là, du coup. Cet œil? Ouais, j'utilise. Ah oui, il y a un œil! Attends, je l'ai juste, le truc. Hein, génère un œil de sang en lévitation qui suit les déplacements des survivants. Donc je pense que si quelqu'un passe, il est censé suivre. Ah oui, d'accord, mon œil là, en fait, il a fait un bruit en mode ok, il y a quelqu'un quoi. Oh non! Alors, sachant que quand vous transformez en props, les gars, c'est pareil, c'est comme dans les prop hunts. Plus le prop c'est petit, et donc plus t'es planqué, mais moins il a de vie aussi. Du coup, tu te fais one shot en fait quand t'as un tout petit truc. C'est vrai ça, maintenant que tu le dis. On n'y pense pas forcément et pourtant. Easy. Ah. What? Wow. Personne qui parle, il y a trop de stress là. Alors, on peut discuter ? Parce que moi, je vous explique en fait. Attends, non, on parle. Non, c'est quoi cette sphère là ? J'ai vu ce que je. T'es quoi ? Arrête ! Arrête, j'ai pas mangé. J'ai faim ! J'ai faim ! Mais arrête ! J'ai faim ! Ça s'appelle du harcèlement ! J'ai faim ! C'est quoi ce bruit? Pourquoi il y a un loup Ah, parce que je te poursuis et du coup je vais plus vite, je crois que c'est le passif. Quand on poursuit quelqu'un avec le. Ah, t'es là? Mais j'ai cru que j'étais caché alors que t'es là depuis le début. Mais je te suis putain. C'est pour ça que je vais de plus en plus vite parce que je te suis en fait. Il y a un truc de course, tu sais, en passif sur les tueurs. Attends. Attends, il y a un problème, je peux plus me transformer. Ouais. Attends, tu m'as. Je me lirais bien un truc là. Attends, oh la vitesse attends. Que j'ai là par contre, je suis en x3 là. Regarde ma mais vitesse pourquoi, en fait. C'est quoi? C'est que plus tu vas. Attends. Plus tu suis quelqu'un en fait, plus ça augmente ta vitesse. Wow. Non mais c'était discret ce que j'avais là. T'as vu ce que j'avais? Un pouic-pouic. Un pouic-pouic. C'était super discret le pouic-pouic. Ah moi, oui, je trouve, non mais t'étais discrète, hein, y a pas à dire. Ça c'est dégueulasse. J'appelle mon avocat. Il arrive. Ton l'avocat. Attends, je suis arrivé vers vous parce que le tueur est à côté, c'est vraiment le pire bail. Hein. Non mais par contre, vous pouvez prendre l'ours ou pas, là il y avait une peau d'ours. Si vous pouvez vous transformer en ours, je vous laisse en vie. En ours. Mais attends, il y a une différence entre une peau d'ours et un ours. Oui, bah c'est une peau d'ours mais ça faisait. En fait, je sais pas si c'était un ours empaillé, j'ai vu vite fait, je pense que c'était un ours empaillé. Hein. Et... Attends. Attends deux secondes, elle est où ta peau d'ours? T'avais dit que tu toucherais pas celui qui. Il y a derrière, là où t'étais, il y a une statue attends. D'ours en fait, c'est pas du tout une peau. Il y a une statue d'ours, viens, retourne dedans. Si tu peux te transformer en ça, je te tue pas. Ok, je t'épargne. Là, juste en face, là, vas-y, transforme-toi en ours. Ok. Aouh. Graou. Regarde, en ligne droite comme ça. Ah bah oui, mais. Bah, je peux pas sortir par la porte. Oui, bah tu restes dedans, écoute, chacun ses. Ah, bah c'est complètement con en fait le truc. Bah écoute, t'as la vie sauve, non? Bah oui, j'ai la vie sauve, mais de toute façon, je suis bloqué en temps course. Moi j'ai une question vite fait. Tout à l'heure, vous avez parlé d'acheter. Vous pouviez acheter. Comment on achète en fait dans le jeu? Je comprends pas ça. Alors en fait, en haut à droite, tu as de la monnaie. Quand tu fais les réparations, ça te donne de l'argent. Quand tu fais, quand tu récupères des, il y a des pièces un peu partout sur la map, ça t'en donne aussi. Et ensuite, tu vois, il y a des coffres cachés sur la map.
Et quand tu les ouvres, ça te donne... l'ours, il est en train de faire des trucs là-bas. Ça te donne des objets dedans, aléatoires. Et les objets, il faut vite lire. Par contre, en bas à droite, ça t'explique vite fait ce que c'est. Mais il faut prendre le temps de lire et de pas être sous pression parce qu'il y a quelqu'un à côté. Ok. Voilà. Non, mais je peux rien faire, c'est un ours. En plus, vraiment, il est discret. Il bloque l'entrée et tout. Là, oh. On voit qu'il est RP. Il est pas RP, l'ours. Bah si. Attends, mais vas-y, on va te trouver si tu veux vite faire un coffre. T'as combien d'argent? J'ai 19 secondes avant que Réchaff meure. Est-ce qu'on peut aller le sauver? Regarde, il y a la pièce ici. Là, t'as une pièce juste à côté. Ah, mais c'est plus un ours, là, ce que je vois. Je te montre le pouic-pouic, ok? Oui. Regarde. Le petit bruit. Laissez-moi tranquille. Le petit bruit qu'elle fait. Non mais regarde quoi, il court. Arrêtez, monsieur le tueur. Je ne vous ferai aucun mal. Je m'envole. Arrête, je vais finir en KFC dans tous les cas, donc moi. Je m'envole. Ouais, donc en fait, là au début, t'es quand même un peu plus rapide que moi si tu gères bien. Aïe. Du coup, il faut vraiment que j'attende d'avoir mon bonus de vitesse en fait pour. Ok. On peut le transformer en piano si tu veux. Ce sera beaucoup plus difficile. Oh non. Enfin, alors. Est-ce que mes trois, d'avoir réparé trois machines, du coup, ça ouvrait déjà les portes ou pas du tout? Non, je pensais tout. Ça me suffit. Oh là là. Putain, mais je me sens pas bien. Mais what? Mais c'est quoi cette ambiance? Oh, c'est trop stylé. Je me sens pas bien, les gars, je vais faire un malaise là. Tu as un peu de coca? J'ai un peu peur, il est où là au final? Là, ça me stresse d'entendre la tronçonneuse là. Je sais pas, je pense que c'est ok hein. Ah oui, deux fois, ok. J'entends des coups hein, j'entends des coups. Attends, faut aller le sauver. Il est par où? Je voulais tenter de sauter sur sa tête, mais trop tard. Ça fait penser à Donnie Darko, un film. Ouais, j'avoue. Ça me fait penser à ça, du coup. J'avoue un petit peu, ouais. Bon, j'ai essayé de lui sauter sur la tête pour aider, mais clairement, j'ai loupé la tête. Ah, monsieur le tueur, parce que là, attendez, monsieur le tueur, si je puis me permettre. Attendez, ne soyez pas tout de suite dans l'agressivité, là. Est-ce que prendre un gros objet serait pas plus simple pour lui sauter sur la tête, du coup? Peut-être, ouais. Parce que là, j'ai petit fail. Alors, je sais pas si j'étais juste naze ou si c'est chaud, mais attends. Viens, on fait un test, attends, la mets pas dessus. Je veux tester. Mais... Oh, ah, ça l'a assommé. Ça l'a assommé. Oui, ça l'a assommé. Monsieur le lapin, en fait, ça marche. Du coup. Donc ouais, si on arrive à le faire pendant qu'il a quelqu'un, effectivement, ça doit libérer réellement. Mais sinon, même si vous êtes dans le mal, du coup, bah prenez vite un gros objet et sautez-lui sur la tête, hein, et barrez-vous. Ouais. Par contre, après, faut avoir de la vie, quoi, parce que faut avoir du heal ou quoi, parce qu'il va vous mettre un coup quand même en passant. Sinon, ouais, c'est compliqué. Par contre, ça m'a donné aussi de l'argent, je crois, d'avoir fait ça. J'ai vu des pièces sortir, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est Mario le jeu. Vraiment, tu sautes sur un cube et t'as des pièces qui sortent. T'as des bonus. T'as les gars, je crois que j'ai trouvé un fantôme. Cucu. Ah,
il faut vraiment trouver des PV hein. Moi tu peux déjà te barrer je pense. Oh non. Mais je t'ai ralenti. Mais oui, alors par contre ça ne l'a absolument pas ralenti, j'ai regardé du coup, il a couru comme jamais. Il a couru comme jamais le lapinou hein. Oh non. J'ai trop grid. Oh non. Oh bien joué. Le move. Il m'a fermé la porte au nez. Oh là là. J'arrive pas. C'est un peu dur à sauter sur la tête quand même. Ouais, c'est pas évident. Par contre, t'avais géré de ouf hein. Restait pas grand chose hein. Sur le prodo. Mais on commence pas toujours avec les mêmes objets au début? Toi t'as quoi là comme objet? Ah, j'ai l'appareil photo là. Moi j'ai des trucs de soins à chaque fois j'espère. Peut-être selon les persos. Ah ouais, ça doit être le perso. En tout temps, la fille. Donc... Ah oui peut-être. Là, fois 3. Donc, chacun leur truc. Ouais je pense. Parce que tout à l'heure je prenais toujours le même, j'avais toujours le même objet, donc ouais, je pense que c'est ça. C'est bizarre parce que il y a un truc que je peux. Enfin, je sais que je peux. Mon perso il peut maudire, mais je peux maudire, vous savez, les caisses sur lesquelles vous pouvez acheter. Genre là, ah, genre on se fait bait si on essaie d'acheter le truc après. Ouais, que je vais tenter de la maudire. De toute façon, je pense que vous voyez d'une couleur différente maintenant que je l'ai maudit. Bah, ce serait OP qu'on le voit, hein, je pense pas, non. C'est juste toi qui maudit clairement. Moi je la vois verte maintenant. Si jamais vous voyez une caisse verte. Elle arrive. Oh bah, je vous avais pas vu en plus hein. Quoi? Ah, oui. Ah je vous avais vraiment pas vu. Je ne vous avais point vu hein. Je vous avais pas vu. Vous auriez pu quoi? Par contre vous étiez vraiment les 4 sur le générateur. Le 4ème venait d'arriver oui. Est-ce que du coup ça va beaucoup plus vite? Oui. Oui, oui. Oui, ça okay. Fait 1x4. Ça fait 1x4. La vache. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer par un pot. Oh! Je me suis envolé. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Est-ce que je vais plus vite si je prends un pneu? Je vais rouler normalement. Est-ce que je vais plus vite si je prends un pneu? Et en vrai, c'est pas j'ai un truc pour dash. Et en fait, quand je regarde dans le ciel, je peux m'envoler du coup. Je te jure. Tu peux aller sur les toits ou pas? Bah justement, j'ai essayé et en fait, t'as une limite. Ah. Sinon tu te mets sur un toit, genre t'as un bon spot. Oh! Mais je suis sur le toit. Mais bien au-dessus genre, et je pense que c'est bugué en fait, je suis en limite de... Ah et tu peux plus bouger genre? Attends j'essaye de me déplacer, assis sur ton sol. Sinon c'est coincé sur le toit.
Allez-y, faites les générateurs, je suis coincée. Elle ment. J'étais coincée. Oh, Kiru, t'as pas de peau quand même. Oh, je vois le pot de fleurs qui veut m'attaquer. Mais... Non. Alors on va où aujourd'hui? À gauche. Juste le temps, c'est le temps qu'il faudrait. Non, celle-là, j'aime pas du tout. En fait, si tu peux quand même rester en fait en bord de map, t'es vachement en hauteur quand même. Hein, si tu t'envoles. Mais qui je vois là en train de se soigner? Non! C'est toujours Kiryu qui se fait choper en train de se soigner, le pauvre! C'est toujours lui! En même temps, il a le perso. D'avoir le perso pour se soigner. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne! Je suis plus là. Oh, le truc le moins discret au monde. Y'a quelqu'un? J'imagine tellement tous en train de... Là où tu viens de passer, derrière toi, il y avait un ours encore. J'ai pris le frigo juste à côté, j'étais en mode, oh, il y a l'ours encore et tout. J'ai jeté un frigo par terre, j'étais en mode... Frigo par terre, elle va rien voir. Elle va rien voir, il y en a un deuxième juste à côté, c'est pas du tout grillé de frigo au même endroit comme ça. Ça suspect, deux boîtes au même endroit. Pour remettre sur la même où j'étais tout à l'heure. Ah ouais, c'était laquelle? C'était là-bas? Ouais. Bon bah je t'emmène. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Il fallait pas le faire. Oh coucou. Photo. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Oh, oh, trop bien. Bah bravo. Je pense que la chape au bout d'un heure, faut arrêter quoi. Mais je l'aime bien celle-là. En fait c'est beaucoup plus drôle que ça genre. Le plus drôle c'est que lui il a déclenché mais moi je suis resté dessus. Non. Si, tu m'es passé devant pour le suivre et moi j'étais en train de finir du coup. Après, c'est vrai. Oui, je te promets. Ça, j'ai pas vu. Bon, le coffre qui est à côté de là où on était, Ors, il est maudit. Ok. Attends, mais c'est pas ce... J'ai pas ouvert avant. Je sais plus. Bah, il était plus maudit, donc je pense qu'il a été ouvert justement. Allez, porte. J'ai l'impression que là, les portes sont ouvertes. Pas du tout. Oh bah... J'ai l'information quand même. Voilà, je peux pas. Je me fais encore avoir. De quoi? Mais c'est toi? Mais non, mais tu sais qu'une fois que la porte est ouverte, tu peux passer en fait. Faut juste que t'attendes. Faut juste que ta trompe soit ouverte, c'est juste que tu peux pas ouvrir en même temps. C'est juste ça, c'est normal, je pense. Attention, il y a une grosse armure qui arrive.
Je te protège. Regarde, tente là. Tente de t'échapper maintenant. Ah ouais. Tu vois là, ça marche. Donc, en fait, ça marchait, c'est juste que t'avais tenté d'ouvrir en même temps que quelqu'un, c'est tout. Bon bah. Putain, c'est ici. Elle vient de perdre 3 personnes d'un coup. Oh, si presque tu peux y aller, la porte est ouverte. Hein. Je te la laisse. Ah bah, je te vois, petit champignon, vas-y. Vas-y, reprends ta liberté. C'est ouvert. Viens. Là, fais-moi confiance, vraiment. C'est ouvert. Par contre, l'armure qui arrive sur la touche le moins discrètement aussi avec le vieux bruit. Vous me voyez ou pas? Ouais. Regardez comment je peux m'envoler. Mais tu sais que je t'ai vu t'envoler tout à l'heure. Tu sais que quand tu parlais, tu t'envolais, t'étais sur moi à un moment donné. Allez les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.